Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le jour. On est jour combien? Jour 4. Mais où est-ce que tu m'as emmené, Dob? La vie de rêve, mon grand. Restez là, parce que Dobby, il est en colère, il va vous écraser. Si j'ai un but, je gagne. Oh, il vient d'arriver un truc improbable, là. Excusez-moi, je peux avoir votre numéro? Il y a les Condés. Dobby, je sais pas où je t'ai emmené, hein. Les gars, j'espère que vous êtes chauds, on est parti pour le jour 4. Et aussi, c'est la dernière vidéo, c'est le dernier épisode de ce road trip. Parce que, en fait, le jour 5, ce sera le dernier jour. Et comme il y aura 7 heures de route pour rentrer, il va pas se passer trop de choses dans la journée. Donc je me dis, je vais pas faire un épisode consacré au dernier jour. Donc, c'est le dernier épisode, les gars, jour 4 et jour 5 en même temps. C'est carré, c'est incroyable, les amis, j'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui, Dobby, on est d'accord, on a fait tout le nord, là on va vers le sud. Ça va vers le sud. Sachez que on vient de se réveiller, évidemment. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes si vous les avez pas vus. L'épisode 1, épisode 2, épisode 3 pour bien avoir suivi l'aventure, tu vois. Les gars, on vient de se réveiller dans une des meilleures chambres d'hôtel de Paris, je crois. Et j'ai trop bien dormi, gros. Je suis déboussolé, carrément, j'ai bien dormi. Les amis, j'ai envie de vous dire, c'est parti, go s'habiller. On va prendre le petit déj aussi. Go faire l'outfit du jour, les amis. Je te l'ai pas montré, mais j'ai un costume Pikachu dans ma valise. Tu vas prendre ton petit déjeuner. Bah pourquoi pas. T'as vu dans quel hôtel on est? Mais gros, moi je pense que cet hôtel, c'est un petit peu comme le McDo. C'est venez comme vous êtes. On est venu en panda, je suis fan de Pokémon. Je me mets en costume Pikachu. On va prendre le petit déj en costume Pikachu. Mais quand même en dessous faut mettre une tenue. Et pas n'importe quelle tenue. Bam. Voilà la petite tenue que je vais mettre, les gars. T-shirt Adidas qui va bien avec le t-shirt, c'est l'ensemble en fait. Mais dans tous les cas, je vais être en costume Pikachu. En vrai, t'es trop bien dedans. Hein. Sauf que tu crèves de chaud rapidement. Mais je vais me faire juger de ouf, non? Ouais. Bisous la chambre, mec, elle était quand même exceptionnelle cette chambre. Des gros bisous. Direction le petit déj. Là c'est le moment où je vais me faire juger de ouf. C'est ici qu'on prend le petit déj. What the fuck. Incroyable. Par contre y'a personne. Ouais mais non. Bonjour. Oh papa, petit déj en tête à tête avec le Dob. On vient de commander le petit déj, ça va arriver, c'est en train de le préparer. T'es mal le beurre, gros. Le beurre il est sculpté, frère. On est où? Bah attends mais Dobby, je rêve. C'est incroyable, t'as pris un thé. Il y a un truc perfect thé timer. C'est-à-dire que dès que le truc vert là il est tout en bas, tu peux prendre ton thé. T'es mal le pain au chocolat. J'ai pris des pancakes. J'ai pris un truc les gars. Je savais pas c'est quoi. Mais du coup je voulais découvrir un porridge à l'eau. Je sais même pas quoi. Attends, et une salade de fruits. Manger des fruits, c'est bon pour la santé. 5 fruits et légumes par jour. Dégustation du jus de pomme. Oh, oh le jus de pomme. Mais j'avoue, j'ai l'impression de croquer dans une pomme. Oh lolo les gars, la petite salade de fruits vient d'arriver. La salade de fruits pour l'instant, c'est ce qui m'a le plus déçu. Elle est très bonne, mais elle a pas ce petit goût en plus. Gros, j'ai... Ah c'est ça le pur. Ah mais j'avais... Tu sais que j'avais même pas regardé l'assiette. Ah. Ah mais ça a pas l'air bon gros. Oh. En fait, là, j'ai le seum d'un truc. J'ai pris porridge à l'eau et il y avait porridge au lait. Et en fait, ça a un goût de... En fait, c'est des céréales, je crois. Hein. Et je pense que dans du lait, ça doit être une dinguerie. J'attends les pancakes, les gars. J'attends les pancakes de pied ferme. Oh, mon petit Dob, les pancakes sont arrivés. C'est le pain perdu, ça? Parce que du coup, il a ramené du pain perdu en plus. Il nous en a ramené. Ça doit être grave bon. Oh là là, mon pote. Oh là là, là, je vais me régaler. Parce que je vais pas te mentir, gros. Le porridge, il m'a donné mal au ventre. Les gars, je vais goûter le pain perdu là. Mmh. Attends mais c'est incroyable. Bon go attaquer les pancakes aussi. Mec les pancakes, y a rien de meilleur. Je me régale. Mec le petit déj il était exceptionnel. On récupère le gamos. Hop, c'est carré. Merci beaucoup. Bon les gars, j'ai enlevé le costume Pikachu. Sinon je vais avoir clairement beaucoup trop chaud. Dobby il m'a dit ouais je veux pas conduire du voyage etc. Mais Dobby je dois mettre une vidéo en ligne ce matin. Je peux pas conduire. On va où là exactement? On va à Poitiers. 3h30 de route les gars. Vas-y bah direction Poitiers, moi ça me va. Mais là on est sur une vraie aire d'autoroute hein. On va même pouvoir mettre de l'essence frère. Là c'est sûr il y a des toilettes de fou hein. Il y a un Dart, il y a un La Grande Récré gros. Il y a moyen qu'il y ait des boosters parce que qui achète des boosters sur une aire d'autoroute? Attends c'est ça le magasin La Grande Récré? On connaît pas les mêmes magasins hein. Mais quand même j'achète ça. Ah oui faut que j'aille faire caca. Elles sont où les toilettes? Elles sont là-bas. Vraie musique. Ces toilettes là ils sont pas pris. On va quand même faire la technique les gars. Je pose pas mes fesses n'importe où quand même. Bon, je viens de terminer de faire caca les gars. Il est 19h. Mec, avoue j'ai pris trop mon temps. Trop, mais il y a un problème. Quoi? Tu commences à avoir envie aussi. Non. Mais tu sais que si tu te retiens, tu vas avoir mal au ventre. S'il y a un problème, je fais caca par la fenêtre. Gros, est-ce que ce serait pas l'heure du booster? Il nous faut Mbappé à tout prix, bordel. Rajuri, David Alaba. Ouh, Lukaku, très bon joueur. Barisic, Bernanski. Tu l'as pas comme ça sans rien. Kylian Mbappé. Je l'ai gros.
Oh, je suis trop content. On a Kylian Mbappé. On a Kylian. Yann Sommer. Ouh, Draxler brillant, très stylé. Oh non, t-shirt italien. Oh, c'est fini. Ouais. Ok, il reste 2 heures de route. Ouais. Vas-y, Reggie. T'es prêt ou pas? On se retrouve tout à l'heure. On est carrément arrivé à Poitiers. Hein. Maintenant, il va falloir que tu me dises, c'est où qu'on va exactement? Parce que tu m'as donné une adresse, mais... Bah, je t'avais donné le choix entre deux adresses. T'en as choisi une des deux. Donc ça tombe bien, t'as choisi le pire restaurant de Poitiers. J'en avais ta mère. La moins bonne note. Attends, mais à quel moment tu m'as demandé de choisir deux adresses? Bah, j'avoue qu'on l'a pas fait, en fait. C'est moi qui ai choisi pour toi. Mais t'es un chien, gros. Ah ouais, donc en fait, hier on s'est régalé, aujourd'hui c'est la merde. Aujourd'hui on régale. Donc là, on va dans le pire resto de Poitiers. Wouh! Bah, faut que je me gare, en fait. Bah, il faut que tu te gares. On est carrément arrivé, gros. Ouais. On est carrément arrivé au pire restaurant de Poitiers. Dobby, j'ai trop le seum, c'est fermé. Mais en vrai, mec, ça a l'air d'être un bête de resto. Hein. Ouais. Je comprends pas pourquoi il est mal noté, gros. Wesh, la mairie, elle est incroyable, gros. Mais gros, en vrai, on aura vraiment visité toutes les villes de France. Ouais. Hein. Mais y a un quick. Au pire, on va au quick. Hein. Moi, je suis chaud. Hein. Allez, c'est carré. On prend un porté. Ah, un porté, on mange dans le parc. Ouais, ou par là-bas, peut-être, je sais pas. Mais gros, on a vu un parc de fou. Viens, on mange dedans. Oh, le Giant Max pour le Dobby. C'est que la mayonnaise, elle est bien. Y a supplément cheddar dans les frites. Toujours eu, frère. Menu. Omega Giant. Ah ouais, supplément cheddar. Dinguerie, petit softy caramel, supplément crème fouettée. Oh, ça c'est incroyable. Yes. Nickel. Merci. Je compte sur vous, hein. Vous m'avez fait le meilleur burger. Hein. Ouais. On va bien manger, mon Dom. On va avoir le meilleur burger, frère. Je leur ai dit de nous faire les meilleurs burgers. Donc là, normalement, ça va être une dinguerie. Mec, c'est vraiment une dinguerie ce parc. Ah, petit banc là. J'ai pris Mega Giant. J'ai pris cheddar ou pas? Non. Bah, c'est à toi. Attends, mais j'espère que c'est vraiment du cheddar. Hein. Oh, c'est vraiment du cheddar. Ça, ça fait plaisir. Dégustation à la bonne franquette. J'ai presque le seum d'avoir pris que ça. Et toi, t'as toujours la dalle. Bon app. Je pense que pour de vrai, ils sont pas foutus de notre gueule. J'ai jamais mangé un burger de fast food aussi chaud. En vrai, je vais taper les frites cheddar là. Bah, t'sais quoi, ça faisait longtemps que j'ai pas mangé de Giant. Non, attends, le cheddar, on dirait il est sucré. Ah, je crois, ouais. Cheddar pas trop validé, hein. Ah, j'ai balouze. Balouze? Ça dit quoi, balouze? Ah, il fait un pack opening. Tu veux que je te montre qu'on a eu? Oh, le chien, gros. Tu l'as eu celui-là? Mais gros, il a eu Draco Feu Shiny. C'est vrai, mais c'est pas de. C'est pas de... Mais enculé, j'en ai eu aucun. T'as même pas eu celui-là. Mais quoi. J'ai ouvert 1500 boosters, j'en ai eu aucun, gros. Oh, le boss. Non, bah, GG, hein. Ça dit quoi, BG? Est-ce qu'il y a un La Grande Récré, là, ici, à Poitiers? Un truc où tu peux acheter des boosters, quoi. Là, c'est magasin. Vers Place Le Petit, c'est. Mais c'est quoi, il y a un magasin qui vend des boosters, là? Ouais. Au pire, si vous savez aussi, vous m'emmenez. Oh, bah, si, non, vraiment? Bah, oui. Wow. On lui dit que ça fait un quart d'heure. Ah, mais vous me cherchez? Cours, mais oui, cours, gros, ouais. T'as l'air en cours. Mais comment ça, vous me cherchez? Oh, le groupe WhatsApp. Ok, les gars, vous savez quoi? Il nous reste de glace, vous voulez bouler ou pas? Bah, de ouf. Allez, c'est pour vous. Ah, c'est pour vous, ah, régalez-vous. Ah, trop cool. Régalez-vous, les gars. Vas-y, gros, faut qu'on aille chercher les boosters. Les gars, vous êtes en quelle classe, vous? Non, en seconde. Pente, les gars, vous m'avez dit que vous saviez rapper. Hein. Moi, je vais écouter. Non, mais y a pas. Tu filmes pas, hein? Pente, y a intérêt qu'il y a des boosters. T'inquiète. S'il y a pas de booster, freestyle. Ok. C'est marché conclu? Vas-y, mais toi, tu lâches un freestyle s'il y a des boosters. S'il y a des boosters, je freestyle. Dobby, il est passé en mode garde. Il y a toute la classe. S'il y a pas de booster freestyle devant tout le monde. Hein. Non. Oh, le bâtard, ah si, gros. Normalement, c'est là, mais je pense que non, me dis pas que c'est fermé. T'es en train de me dire que c'est fermé, là. C'est ça, là? Attends, mais on va arriver à 50 dans le magasin. Mais tranquille, il y a que tranquille. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, ce serait pour savoir si vous avez des boosters Pokémon. Non, tout est épuisé. Oh non. Tout est épuisé? Non. Oh non. Les gars, freestyle, hein? Vas-y. Non. Je te conseille de le faire ici, parce que dehors... Dehors c'est chaud, vas-y. Seul comme le soleil, je vais devoir réchauffer ton sous-sol. Je suis au sommet, vous fontez au sommaire. Je suis en avance même à chaque mort. En fait je suis pensif, y'a que devant Dieu que j'ai protection solaire. Je regarde pas le ciel mais je regarde les cieux. Enfoncé dans moussé, je suis un petit audacieux. Parler ça j'ai pas le permis Chalson. Accompagné de mon cocktail Molotov. Fuck. Ok mon ref, en fait j'ai capté. Ça se voit que t'es chaud. Le problème c'est que tu te fais pas assez confiance. Et genre tu vois ton fuck, c'était un fuck gentil. Crée pas. J'ai une question. Là on s'est vu, je vous kiffe, vous le savez. Venez, échange de bons procédés. Vous me laissez à la voiture tranquille. Les gars, je me suis dit, si je demande gentiment, peut-être ils vont être compréhensifs. Mais en fait, le problème, c'est l'effet de groupe. Eh les gars, restez là, parce que Dobby, il est en colère, il va vous écraser. Merci d'avoir suivi, vous êtes les boss. Et voilà, hein. J'ai fait une outro de vidéo. J'ai dit merci d'avoir suivi. Salut les gars. A plus, mec, bonne journée. Tchuss. Oh, l'accélération. Mec, il y avait toute la ville. En vrai, déjà, il aurait fait moins chaud dehors. Ouais. J'aurais kiffé. De deux, je sais très bien que là où on dort, il n'y a pas de douche. Comment ça? Il n'y a pas de douche là où on va dormir. Mais pourquoi? On va où là? Là, on va à Decathlon. Hein? Me dis pas, on va dormir. On dort à la Belle Étoile. Quoi? Moi, je te jure. On va dormir en mode survie. Ouais, en mode survie, je te jure. Attends, donc là, on va à Decathlon pour acheter genre un matelas gonflable. C'est ça, ouais. Donc ce soir, attends, mais ce soir, on dort dans la rue. On dort. Non, j'ai trouvé un petit endroit sympa. Ah, ok, donc il y a quand même un endroit. Mais on va dormir dans une tente. Ouais, en vrai, ça va. En vrai, c'est carré. Mais j'avoue, il n'y a pas de douche.
En plus là on a sué comme des porcs. Ah mais là j'ai sué comme un grand porc. Mais gros, mais là forcément qu'il faisait chaud mec, on était 120 000. Ah bah tu m'as pas menti hein. Bah gros bah tiens, c'est ce qu'on veut non. Oh montage instantané. Non viens on prend une, on monte nous-mêmes en galère. Genre celle-là. Genre celle-là, c'est une dinguerie. Regarde voilà. Mec, tu sais qu'en vrai elle est incroyable cette tente. On prend ça. Vas-y, on va là-bas. Vas-y. Je crois que c'est celle-là nous. Arpenas 4. C'est carré. Mais ça c'est trop stylé mec, c'est une couette. Vas-y bah go prendre ça là. Vas-y. Bah là mat la gonflable et on est bon non. Bam. Là on a de la route. Là on a de la route, on va où? Non on va à côté de Bordeaux. C'est vrai? Oh c'est une dinguerie. Oh. C'est ouvert sale con. Mais non je sais mais je croyais que t'allais rappeler en fait. Ouais c'est ça ouais. Bon faut que tu me dises l'adresse là. Là on va à côté de Bordeaux ou à Bordeaux? On va à côté là. On va à côté et de Bordeaux. Et après on va à Bordeaux. Oh la dinguerie. Mon petit Dob, tu m'as donné l'adresse. Un indice, hein, de ouf, hein. Tu m'as donné l'adresse, il y a 1h40 de route. Attends mais j'avoue l'adresse, lac de Zin machin. On va à un lac? Ouais. Mais gros, je vais me baigner. Hein. Bah si on peut, moi j'y vais aussi. Les gars, let's go, on a 1h40 de route. En vrai maintenant 1h40 c'est quoi frère? Bon les gars, on vient de perdre 10 minutes de route. On vient de perdre 10 minutes de route, pourquoi? Tout simplement parce que je me suis trompé de sortie sur l'aire d'autoroute. Je suis allé vers Poitiers au lieu d'aller vers Bordeaux. Mais on a nos téléphones qui sont en charge. Ouais, mais nos téléphones sont en charge. Et merci Dobby. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans ce voyage, dans ce road trip, c'est que c'est la débrouille. C'est vraiment des vestiges du 4L Profi ça. Ouais, c'est la débrouille. J'ai été débrouillé. Dur. J'ai un peu le boss. Mais d'ailleurs, ça doit être une ambiance le 4L Profi. Toi, c'est comme ça que t'as rencontré Valouz. J'ai rencontré Valouz comme ça, ouais. N'empêche, incroyable. T'as rencontré Valouz au 4L Profi. Je me retrouve dans une panda. C'est à peu près la même ambiance, mais c'est quand même plus vieux et... Ouais, 4L Trophy, ça doit être encore plus hardcore. Mais moi, j'avais quasi les mêmes sièges, encore plus galère que ça même. Mais tu vas avec l'Inox, hein. Bah, faut chauffer, hein. Moi, je suis chaud. Les gars, dans les commentaires, faut chauffer Inox. Moi, regarde, là, le road trip France, dans le meilleur des mondes, on le termine, ça se passe bien. Ensuite, je suis trop d'été, enfin, road trip Europe, avec genre, là, pas avec la Panda, parce que la Panda, elle assumera jamais. Et même nous, on assumera, même pas. Nous, on assumera pas. Et ensuite, 4L Trophy. Mais ça se prépare, hein, 4L Trophy. Je sais que ça se prépare, mais faut chauffer Inox. Inox et toi, Bouzy et Doc, et Val et moi. En mode on part en 3 teams, ouais. Ça serait une dinguerie. Les gars, dans les commentaires, j'espère que vous êtes chauds. Dites-moi et essayez de chauffer les autres croutons. Là, c'est une dinguerie. Mec, on est arrivé dans un endroit gros, c'est trop stylé en vrai. Je sais pas où tu nous emmènes exactement, Dobby, mais là on est perdu. Bah, en vrai de vrai, je sais pas trop. C'est à dire que je nous hype, mais ça se trouve, on n'y arrivera pas, tu vois. Parce qu'il faut marcher dans la forêt et tout, genre. Pour aller là où on peut. J'ai un plan sur mon téléphone à suivre. Ah. Moi, je te jure, regarde, me l'envoyer là. Pour aller au lac là? Bah, en gros, faut qu'on trouve des. Y a des indices, mais, genre, c'est en mode aller à l'église, marcher tout droit. Quoi? Je te jure. Bah, attends, mais gros, c'est trop bien. C'est une chasse au trésor, le bail. Ok, on a suivi les premières étapes et on s'est garé. Joli caleçon, Dobby. Hein. On a suivi les premières étapes, les gars, et on s'est garé à côté d'une église. Regardez, là, y a une voiture qui est garée. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont allés au lac aussi. Hein. On doit pas être les seuls à vouloir y aller. Donc, en vrai, pour moi, on peut demander le chemin à quelqu'un. Hein. Mais depuis le début du road trip, on sait toujours où on va, tout se passe bien. On va kiffer là, mais on oublie Bordeaux, je pense. On pourra pas aller à Bordeaux? Enfin, on pourrait y aller, mais on pourra pas boire un petit coup. Ouais, on arrivera trop tard. Parce qu'en vrai, les gars, le temps il est passé trop vite. Mine de rien, on a beaucoup roulé. Là, on est vraiment en road trip. Je kiffe cette ambiance, gros. Je sais pas où on est. Moi, je vais dans la forêt, mon ref. Mais tu viens vraiment pas? Ah non, Sam. Mais gros, t'es une tata. Comment ça, y'a un grillage? Non mais Dobby, c'est un faux grillage. Ah ouais, y'a des gens, ils ont détruit le grillage. T'es prêt ou pas? Petit saut de gazelle. Et voilà, j'ai passé le grillage, Dob. Dobby. Par contre là, on a fait un truc tard, les films d'horreur. On sait pas où on est et on s'est séparés. What? Attends, mais les arbres, ils sont tellement les arbres, comment ils sont ondulés. À ce qui paraît, c'est là. Attendez. Putain, t'es déjà là? Tu sais que c'est pas du tout le chemin. Comment ça, c'est pas le chemin? Le lac il est en bas, mais nous on va arriver au bord d'une falaise en fait. Bah c'est pas grave. Ouais mais du coup on va pas voir l'eau, alors que c'est le truc à voir. Ok donc faut continuer à prendre le chemin en fait. T'es ma gros. Regardez là. Oh là là gros. Ah oui là, attends mais j'avais pas vu. Ah il faut vraiment pas glisser là. Mais où est-ce que tu m'as emmené Dob? La vie de rêve mon grand. Oh. C'est incroyable gros. Par contre, on peut pas se baigner? Baignade interdite, c'est vraiment dommage. Hein. Et là, gros, la couleur de l'eau. Je pense l'eau, c'est de l'évian. Non, mais en vrai, mon petit Dob, t'as raison. C'est un lieu protégé. Je pense, ouais. C'est pas fait pour se baigner, on se baigne pas. Les gars, ça va partir en shooting photo. Hein. Oh, ça fait trop du bien, gros. Bon, le lac, bisous. Mec, n'empêche, cet endroit, il est incroyable. Hein. Tu m'as fait découvrir un vrai bail. C'est reparti, hein. Ça repart en randonnée, mon gars. On va aller lui casser les couilles un petit peu. Mec, c'est pentu, hein. Aïe, mais tu me l'as mis profond, frère. Il y a du caca dessus. Il a dit, il y a du caca dessus. Le dernier arrivé à la voiture, c'est une poule mouillée. Ah.
Ok, donc là, objectif, trouver une terrasse et boire un petit sirop grenadine. Allez, c'est carré. Donne-moi l'adresse de Bordeaux et dès qu'on voit une terrasse, on s'arrête, hein. On arrive à un village, hein. Tu crois qu'il y a un petit restaurant ici ou pas? Oh là-bas, il y a ma grenadine qui m'attend, moi je te le dis. Hein. Voilà. Un bar. Bah, c'est bon? On va à un petit bar? Ouais, on va. On va à un bar ou? Marche arrière. Marche arrière. Parfait. En gros, là, les gars, ce qu'on a prévu, si on peut pas faire les courses, là, en gros, dans l'idéal, ça serait de pouvoir faire les courses pour ce soir, genre de la piémontaise, du taboulé, des trucs comme ça. Sauf que si on trouve pas de supérette pour acheter ça, bah les gars, le but c'est on va à Bordeaux, commande du Uber Eats, genre on commande un truc froid, et puis on garde ça dans la voiture pour manger une fois qu'on est dans la tente. Hein. Mec, on est vraiment dans un bled paumé. Hein. Là, on va boire dans un vrai bar à la bonne franquette. Les bars, là, j'ai envie d'acheter un petit ticket à gratter. Bonsoir. C'était pour savoir s'il y a la possibilité de prendre une grenadine ou une menthe à l'eau. Ou... Grenadine, menthe à l'eau Moi, ça sera grenadine, s'il vous plaît. Deux grandes grenadines. S'il vous plaît. Mais on prend un ticket à gratter. Tu prends quoi comme ticket à gratter? Tu prends quoi, toi? Moi, je te dis, je sais pas. Moi, j'ai envie de vous laisser choisir. À 1 euro, à 2 euros, à 3 euros, à 5 euros, à 10 euros. À 10 euros. Oh, je suis à 10 euros, ouais. Vous êtes dingue. Tu prends le ticket à 10 euros. Ouais. C'est vous qui choisissez. Prenez-en deux même. Deux à 10? Ouais. Et si on devient millionnaire grâce à vous, on vous donne... Rien du tout, je veux rien. Ah, vous voulez rien? On s'assoit où, le dob? Bah, à la terrasse. Ah bah... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah. Les gars, faites attention, les tickets à gratter. Hein. Faites attention. Joué, on peut devenir dépendant, donc faites très attention. Gauche ou droite? Moi, tu sais quoi, je suis gaucher, je prends gauche. Okay. La grenadine, elle a l'air incroyable. Tu grattes ton ticket? Les gars, attendez, il y a 11 maillots. Si vous découvrez 3 sommes identiques, vous remportez cette somme. Ouais, allez, c'est parti. Faut 3 fois la même somme. 20 balles. 20 euros. 20 balles. Oh, 20 euros. Mec, j'ai. Mec, une, là, 2, si, 3, t'as 4, un autre, 5, si c'est 6, un autre 20 euros, tu gagnes 20 euros. J'ai 9 chances quand même d'avoir un truc. Hein. Allez, un autre 20 euros. 1000. Imagine, t'as 3 fois 1000. 1000? Ah non, 100. Allez là. Même 20 balles, c'est bien. Hein. 10. 20 balles, ce serait 50. Clair. Oh les bâtards. 10 000. 10 000. Imagine, oh, là, t'as, imagine là, t'as 2 10 000. Allez, 20 balles. 50. Oh, il y a 2 fois 50. Ouais. 100. Oh, il y a 2 fois 100, 2 si fois 50. 50, 100 ou 20, ouais. Tu gagnes. Oh, oh non, j'ai oh, trop... Oh, c'est 500. Il y a trop cru, il a gratté hyper vite. Oh, oh non, c'est 1000. J'ai oh, eu 2 fois 1000, 2 fois 50, 2 fois 100. T'as trop... Vas-y, à moi de gratter ça. Au 40. 1000. 10. 10, 10 okay. Ok, je peux gagner 10 balles. 10 balles, ça rembourse le... 10. Et ça rembourse le booster. 10 balles, gros, j'ai gagné 10 balles. Ça rembourse le booster, t'as dit. Hein. Et je pense que si j'ai 10 balles, j'ai 10 balles, je pense. 100, 50. Tu l'as pas eu. 10 000. Ah, et 50. Ok, donc j'ai gagné 10 balles. Alors, pour chaque ligne horizontale, si vous découvrez 3 symboles identiques, vous rapportez le gain associé. Donc là, faut que tu grattes la première ligne, faut 3 symboles identiques. Attends, okay. Regarde le gain. 10 balles. Euros. Ça peut rembourser. Ça peut, y a moyen que ça marche, 10 euros. Un gant. Oh, là, il faut identique. Un gant. Oh! Il faut encore un gant. Sifflet. Sifflet, tu l'as pas. Crampon. Mmh. Mec, t'es nul. Vas-y, on fait le... je fais okay, toutes mes deuxième lignes. Ligne. Attention, le gain. 500. 500 balles. Oh, ça sent pas. Un gant, oula. Oh. Là, faut que t'aies. Là, si t'as pas un truc que t'as déjà, chaussures, bah c'est déjà mort. Bah, c'est déjà mort. Un chrono, j'en ai aucun aussi. Mec, t'as même pas eu de double. De... Ouais. Là, tu joues pour combien? 100. 100. Regarde, regarde, tu joues pour 100 balles. De quoi? Gants, sifflet, podium, chrono, chaussures, but. Non. Mec, t'es nul à chier. Moi, je gratte pas le gain d'abord. Gants. C'est frustrant parce que là, ouais, oh, j'ai rien pareil. Allez, podium. Ok, c'est déjà mort. J'ai eu deux. Ouais, non, mais de toute façon, regarde. Regarde pour combien je jouais. Non, jouer pour 10 euros, mec. 100. Ok. But. Chrono. Là, ça sent le but. But. Si j'ai re un but, je gagne. Oh! 3. Ok, t'es prêt? Moi, donc là, j'ai gagné 10 euros. J'ai mis 50 balles. Imagine. 10 balles. Un ticket à 20 balles. Bon, c'est carré, hein. J'ai remboursé les deux tickets. Ok, t'es prêt? Dernière ligne. Gants. Gants. Gant. Viens, je regarde pour combien je joue. Vas-y, vas-y. Oh. Le gant à 500 balles. 500 euros. Un gant à 500 euros, là. Oh, j'ai trop peur. Oh putain, le chrono. Oh non. Ok, Dobby, troisième jeu. Grattez la cage, si vous découvrez un ou plusieurs symboles ballon de foot, vous remportez le gain associé. S'il y a un ballon, je gagne 10 balles. S'il y a deux ballons, 20 balles. S'il y a 3, 40. S'il y a 400. Ok, ah oui, donc faut le plus de ballons possible. Tu vas en avoir aucun. Mec, t'es le pire ticket. Oh non, j'ai trop cru. Oh, t'as trop le seum. Attends, il y a un truc à la fin. C'est quoi? Bonus. Grattez la coupe, si vous découvrez un gain, vous le remportez. Non. J'y vais. Vas-y. C'est le dernier. Zéro gros, zéro, t'es naze. Ok, t'es vrai? Ok, ça c'est pas un ballon. J'entends ton truc, il est Gucci, toi, je sais pas pourquoi. Ok, pour l'instant j'ai pas de ballon. Drapeau. S'il te plaît. Non, non, Hugo. Ok, t'es prêt, je gratte la coupe.
Oh non, 0. Bon bah, j'ai gagné 20 balles. C'est parti, GPS les gars, on va partir. Là normalement on arrive dans 30-40 minutes quoi, tranquillou hein. On va dans le centre-ville de Bordeaux, on va commander Uber Eats et voilà. Et attends mais gros, il vient d'arriver un truc improbable là. Alors, attends, on a dû en parler en même temps. Faudrait qu'on regarde à quelle heure on en a parlé, si Wakid peut savoir ça, avec l'heure du rush. Wakid, tu vois le rush où on parle du 4L Trophy? Là maintenant tout de suite tu mets l'heure à laquelle c'était. À quelle heure on en a parlé du 4L Trophy? Et maintenant à 15h40, j'ai reçu un mail de l'organisation du 4L Trophy. Nous revenons vers toi car nous avons vu le dernier live de Valouz. Il parle du 4L Trophy. Dans la vidéo où on est aux Alpes, on parle du 4L Trophy. Comme quoi il y a toute une équipe qui est prête pour nous accompagner, etc. C'est le vrai organisateur du 4L Trophy. C'est un responsable du 4L Trophy. Mais gros, c'est improbable, mec. On sait que le 4L Trophy, ils sont chauds. Ils sont chauds pour nous accompagner. Ouais. Oh les gars, ouh, faut choper les coups. Là, ça part sur un message avec eux. Là, t'envoies un message au couteau. Ouais. Oh, oui, direct. Je vais leur dire. Bon, en tout cas, bref, de notre périple, il reste 14 minutes. Et bonne nouvelle. Oui, les gars, on est cons. On a dit les terrasses, ça ferme à 21h. Elles ferment à 23h. 23h en premier jour, là. On va pouvoir manger. Donc, en vrai, là, le planning, c'est quoi? On arrive à Bordeaux, on mange en terrasse. Ensuite, on part, on installe la tente et on dort. Parce qu'en vrai, là, on va manger le temps qu'on parte. Par contre, on risque d'installer fortement la tente au flash. Bon, bref, on se retrouve dans 15 minutes à peu près. Et puis, on va chiller. Moi, je m'occupe du 4L Trophy. Du mail 4L Trophy. Salut, les gars. On est arrivé à Bordeaux là. Là on est carrément arrivé à Bordeaux. Tu sais que je le connais hein. Incroyable. Du coup là on va dans le centre-ville, tu crois? Viens, on essaye de trouver un truc un petit peu plus isolé que le centre-ville. Bah vas-y hein. Lecteur de nuit. Ah, ça s'ouvre. Là-bas? Là? Ouais. Mais t'es con ou quoi? C'est là où on vient. Mais t'es sérieux en plus? Bah non, regarde, mange merde. Attends, mais je suis con ou quoi? T'es con ou quoi? Nous sommes arrivés à destination. On va pouvoir graille. Et là-bas, il y a une terrasse avec un match. Vas-y, on va là-bas. Cette terrasse là. On va chercher là. Je suis très choqué. Ça va? Ça va ou quoi? Ça va. Tu travailles ici? Ouais. Ah, tu travailles là? Ouais, je travaille. Ok, parfait. Bah, tu sais quoi? On a choisi au pif, ça sera ici qu'on mange. Sérieux, ouais, c'est ici qu'on mange. Okay. Y a un truc que tu nous conseilles ou pas? Franchement, je sais pas, t'as un gros bouffeur, toi, je sais. Moi, ça va, là, ça va. T'as mis un tartare ou pas? Tartare? Ouais. C'est-à-dire? Pas de viande, mais tu sais, genre. Ouais, je vois, c'est quoi? Mais là, je t'ai trouvé un tartare de saumon et franchement, il démonte sa mère. Tartare de saumon, il démonte sa mère. Il démonte sa mère. Vas-y, tu me l'as bien vendu. Ouais. Moi, je vais partir sur ça. Bah, attends, viens, on s'installe avant, non? Ouais. Vous voulez manger où? Vers là-bas, il y a possible. Vas-y. Sur la gauche. Dobby, je te le dis, c'est moi qui offre. Bah, il y aura pas de pierre, feuille, ciseaux. Vas-y, c'est dur, on le fait. Hein. Non, c'est moi qui offre. Viens, on le fait juste pour moi. Viens, on le fait juste pour moi. Pierre, feuille, ciseaux. Bah voilà, de toute façon. Moi, je te fais confiance, tu m'as dit. Tu vas aimer tartare saumon. Vas-y, tartare saumon. Ça part sur tartare saumon, les gars, c'est le serveur qui m'a dit. Et l'aspect d'ici, c'est le burger là? L'aspect, non, pas forcément, c'est une galette, du coup, c'est les galettes. Ah ouais, bah je vais prendre une galette au bœuf, mais c'est possible d'enlever les tomates? Ouais, bien sûr. Voilà. Allez, t'as pris quoi, galette au bœuf? On a pris des trucs qui changeaient, les gars, il y en a de manger des burgers tous les jours, faut penser à la ligne. Moi, il m'a conseillé tartare saumon, il m'a dit c'est une dinguerie. Incroyable. J'ai une question, tu veux bien qu'on te filme? Ouais. T'as 15 secondes pour faire la meilleure promo pour ton restaurant. Bah écoutez, bistrot Jean côté crêperie, des galettes, des salades, tartare, burger qui est super bien. Je le conseille à tout le monde vraiment. Et sinon, c'est exceptionnel. Et puis venez quoi. Terminé. Bravo. Mais mec, de gros fort. Bien joué. Les frites, c'est pour nous deux? Bah si tu partages avec lui, ouais. Bah là-bas, c'est que pour le tartare. Ah, c'est que pour moi? Bah c'est que pour moi. Bah c'est parfait. Ok, bah merci beaucoup. Bah attends, mais j'ai trop de frites. T'es prêt ou pas le tartare? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de saumon et encore du saumon. J'aime bien, ça passe bien. En plus, là, manger en terrasse, gros, c'est, ça fait trop plaisir, gros. Je vais te dire si elles sont bonnes. Les frites sont validées. Par contre, il n'y a pas de problème. Je vais mourir de soif. Non, mais allez, pour ce soir. Oh, mais j'avoue, ce soir, on n'a même pas une bouteille d'eau ou quoi? Bah, sur une aire d'autoroute, peut-être. Dernier petit croc, gros. Moi, je valide. Moi, je peux plus là. T'en peux plus, toi? Mais gros, t'es arrivé, tu m'as dit j'ai la dalle. Bah, mais j'ai trop mangé vite. Bon, moi, je vais prendre. Attends, mais y'a quoi dans le dessert? Ah, y'a des crèmes glacées. Oh, dame blanche. La dame blanche, normalement, c'est pas la meuf qui est dans les champs et qui fait peur là. Sur la route, ouais. Ouais, c'est la meuf qui est sur la route qui fait peur. Bah, moi je vais manger une dame blanche. Petite dame blanche en dessert. On va faire ça avant de dormir dans un. Mec, j'avoue qu'on va dormir dans la forêt. Moi je voudrais juste un dessert. Je vais te prendre une dame blanche, s'il te plaît. Et je crois Dobby il veut rien. Non, merci, ouais. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Pour de vrai? Ouais. Mais t'es le boss. Allez, incroyable. Mais attends, mais mec, c'était hyper rapide. Hein. Vous savez que. Non, mais moi le dessert c'est vraiment ce que je kiffe le plus.
Oh gros, avouez les gars, donne envie. Avouez là, vous avez trop faim. Avouez là devant votre écran, vous avez trop envie de taper dedans. C'est trop bon. Excusez-moi, je peux avoir votre numéro. Je peux avoir l'addition s'il vous plaît. Merci. Casse les couilles. Mec, j'ai jamais eu. Je peux faire un sirop et la glace. Non, c'est vrai. Oh, c'est trop gentil, bah merci beaucoup. Hein. La promo, ça a été nickel, hein. Franchement, parfait. Hein, la glace aussi. La glace. J'ai blindé un peu. Parfait. Ah ouais. Ah, t'as bien fait, hein. Franchement, c'était carré. T'as trop le seum. Bon, on a fait un petit détour assez rapide à Bordeaux. Mais franchement, c'était lourd. On a eu le temps de voir des petits abonnés bordelais. C'était dar sa mère, j'ai kiffé. Ah, ma petite Fiat Panda, on est de retour. Eh, n'empêche, on va pas se mentir. McFly et Carlito, les petits frérots. J'ai pris un peu de temps pour réaliser mon gage. Mais je pense que le gage de la Fiat est respecté. Le gage de la Fiat, je pense qu'il est respecté. J'aurais carrément fait un road trip avec la Fiat. N'empêche, je la kiffe, ma petite Fiat, hein. Ok, bon bref, les gars, on est parti pour normalement le camping, hein, Dobby. Normalement. Ah, le camping, c'est pas le camping, c'est le camping sauvage. C'est le camping exactement. Sauvage. Exactement. En fait, c'est un endroit qui est prévu à ce que les gens plantent leur tente, c'est ça? C'est ça, ouais. On se retrouve quand on est... Enfin, normalement, on se retrouve là-bas. Bon, il faut qu'on s'arrête sur une aire d'autoroute pour acheter de l'eau. Mec, le pare-brise de mon côté, il est vraiment dégueulasse. Petite aire d'autoroute, on va voir si on peut acheter de l'eau quand même pour ce soir. Oh, il y a la grande récré. Imaginez s'il y a des boosters. Une boîte à meufs. J'achète. On va prendre de l'eau aussi, je suis con les gars. Je me suis précipité sur la boîte à meufs, j'ai même pas pris l'eau. Hop là, on prend deux bouteilles d'Evian. Je pense que ça suffira en vrai. Mais en plus, en vrai, Dobby m'a dit que peut-être, à ce qui paraît, il y a peut-être des toilettes. Donc s'il y a des toilettes, en vrai, on a de l'eau. Mais au moins, on a des vraies bouteilles d'eau, c'est carré. Ouais, gros plouc. Je te donne les bouteilles, gros. Ça te fait sourire? Quoi qu'il arrive, ça allait te faire sourire, gros. Attends, mais calme-toi. Y'a les Condé. Oh. Ah ah, ah ah, y'a les Condé. Y'a les Condé. Ah, mais où est-ce qu'on va, gros? C'est là? Non, mais en vrai, frère, je pense qu'on trouvera jamais. Ah, mais on est dans la merde là, j'ai en train de me dire. Non, bah clairement. On va faire comment, gros? Mais viens, on se met là, hein. Mec, c'est affreux, y'a trop de bêtes à cause de la lumière. Laisse-moi sortir. Gros, elle nous saute dessus, frère. Téma, c'est chacal. On va planter la tente là. Bah, de toute façon, y'a que ça à faire, hein. Vas-y, faut qu'on se dépêche. Quoi? C'est la fin de ton pot d'échappement. Non. Il a quoi, mon pot? Le pot d'échappement, gros, il a explosé. Pente la tente, on la ferme. Je veux qu'il y a rien qui rentre, hein. Putain, du coup, les gars, on s'est arrêté au milieu d'un chemin. À la base, on avait trouvé un. Dobby, il avait trouvé un camping sauvage, mais on n'a pas réussi à le trouver. Et en plus, il est ultra tard. Et on va planter la tente là. Bon, Dob. On est parti, hein. Petit matelas, les gars. Tu commences la tente et je gonfle le matelas. On gonfle le matelas, après jette d'eau. On a une bonne base. Là, t'as bien avancé déjà, non? Oh, mais oui, t'as bien avancé là déjà. Attends, tu le tiens là? Ouais. Ah, ça va tomber. Ouais, bah tiens-le alors. Ça tient. Si j'arrête de tenir, ça tient. Bien, on fait un petit tour, mon rack. J'ai l'impression que ça tient bien. Hein. Oh là là, ce bruit, mec, il est satisfaisant. Oh. Bah, c'est bon, le matelas, il se passe clairement là. Vas-y, viens, on l'amène. En vrai, le matelas, il est quand même pas très grand. Oh, oh. En vrai, les conditions, elles sont claquées, sa mère. Mais j'ai l'impression que c'est du luxe. Bah, en vrai, on va chercher les duvets, c'est bon. Bon, bah, mon Dob, j'ai l'impression qu'on peut dormir, hein. Dobby, je sais pas où je t'ai amené, hein. Mon coussin, gros, c'est ma serviette. Ah ouais. Bah, j'ai mis des affaires dans le sac, hein. Bah, alors là, la vie de prince, la vie de Pouk. Mais en vrai, on est d'accord. L'ambiance, là, en mode, on va dormir dans la tente comme ça. Elle est vraiment énervée, hein. La nuit, elle est pas catastrophique, hein. Mais regarde, bam. En fait, le seul problème, c'est mon coussin, il est vraiment merdique. Mais en vrai, je pense qu'on va bien dormir. Bonne nuit l'équipe, nous on va dormir, on se retrouve demain. Je suis KO, gros. Ah, mais toi, tu casses la tête, frère. À ma grande surprise, j'ai trop bien dormi, gros. Je pense que j'ai dû me réveiller deux fois dans la nuit pour bouger et me remettre en place. Mais c'est tout, frère. Mec, Téma, il fait toujours, là. Il est quelle heure, Dob? Il est 8h. Il est 8h? Je te jure. Attends, mais on a trop bien dormi. Ouais, pas ouf, hein, mais j'ai dormi, quoi. Tu sais que moi, j'ai dormi comme un bébé, hein. Vas-y, bah, on va se lever, hein. Ah. Oh mec, il fait trop beau. Et tu sais qu'hier, je me chiais dessus pour de vrai, hein. Et en plus, je me disais, gros, on est dans un lieu... T'as les traits d'horreur de Squeezie, hein. Allez, go tout ranger, là. La serviette, on la range. J'ai réussi à ranger mon duvet tout seul, wesh.
Ça c'est mon moment préféré gros. Dégonfler les matelas c'est trop bien. Parce que genre tu te jettes dessus et tout à la fin. Oh là là. Oh. Hop, tu te roules. C'est comme ça qu'on dégonfle un matelas. Ni vu, ni connu. Maintenant, c'est la tente. Putain, Dobby, t'es en train de démonter ma tente, ça se fait pas. Hein. En plus, elle est bonne, ta tente. Comment ça, elle est bonne? J'ai bien dormi dedans, quoi. T'as bien dormi dedans. Je casse la tête. Et voilà, on plie ça, mon grand. Mec, une vraie petite tente. La tente est dans le coffre, mon gars. Par contre, on commence à être chargé. Hein. Mais là, on va quasiment rentrer, là, non? Bah, là, on va... On va à Clermont-Ferrand. Ah ouais. Oh, non, je sais exactement ce qu'on va faire. Oh, j'ai trop peur. Tu sais que je le redoute depuis qu'on est parti. Les gars, on va aller à Clermont-Ferrand pour faire une petite activité que je connais. J'ai un petit peu peur. Hop. Bonjour Padnak. Et bah les gars, c'est parti, on décolle de cet endroit paumé et on va direction Clermont-Ferrand. Bon les gars, au final on s'est déterré. On s'est dit, de toute façon on a le temps, on est en avance. On a fait un petit détour, on est à Roquefort. Mais tu crois, pour de vrai, tu crois que c'est la ville où ils ont fait Roquefort? En vrai la ville elle s'appelle Roquefort, donc je pense hein. Ah, y a une boulangerie, elle est là la boulangerie. Vas-y gare-toi gros, on a trouvé la boulangerie. Je pense que je vais prendre juste un petit pain au choco. Ish. Hop là. Gros c'est une boulangerie pâtisserie, moi je crois que je vais prendre des pâtisseries hein. Bonjour. Un croissant, tu veux pas toi? Moi, pour moi, il y aura un pain au chocolat. Ah, une chocolatine. Une chocolatine, s'il vous plaît. Bye bye. J'ai une question. La ville là de Roquefort, c'est ici que ça a été fait le fromage? Non, c'est en aviron. Ah ok. Ok d'accord. Bon bah j'ai le seum gros. On a demandé à la dame, en fait c'est pas ici que ça a été fait le Roquefort. Par contre, le jus d'orange, il est frais sa mère. Les amis, dégustation, la première chocolatine de ma vie. Mmh. C'est pas pareil hein. C'est un peu un goût de pain avec du chocolat genre. Attends, on dirait une manette. On dirait une manette on croit. Bon évidemment les gars, vous attendez pas un truc de ouf hein. C'est clairement un pain au chocolat hein. C'est clairement la même chose. Par contre ça régale. Bon on est reparti les gars hein. École de parapente. C'est une école de parapente? Non mais là c'est pas là où on doit aller, mais on est pas bon. Mais toi t'es trop excité là. Parce qu'en fait t'as peur et du coup l'excitation fait que t'as plus peur. Mais comment ça, j'ai pas peur? Non mais moi j'ai pas peur en vrai. Parapente, pff, facile. Mais parapente ça me fait moins peur que soit l'élastique, soit au parachute, etc. Dobby, c'est là-bas qu'on va prendre le train? Ouais. Oh là là. Oh c'est ça qu'on va prendre. Ah ouais mais on est vraiment dans une gare en fait. C'est un métro mais propre. Oh il est incroyable. On est clairement arrivé tout en haut de la montagne. Ouais, vrai bail. Gros, on est clairement au sommet. C'est le truc qu'on voyait quand on était tout en bas. Mec, il a l'air d'avoir une bête de vue là. T'es mal à vue. On est clairement dans une montagne. Tu crois, on est à combien de mètres d'altitude? Il avait écrit 1400, je crois. 1400? T'es mal. Le resto des piqûres. Ça va ou quoi? Ça va, c'est bien. Tranquille. T'as vu ou pas? Et moi, je vais faire du parapente là. Tu vas avoir une super vue. Ouais. J'ai une question. Dis-moi. Tu sais, c'est où le restaurant pour manger? Ouais, mais c'est fermé là. Ah, c'est fermé. Ah merde. Y a rien à manger? Des glaces, des panini. Panini en vrai. C'est bon, panini en plus. Ouais. C'est une dinguerie, non? Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Comme d'hab, j'en ai gagné aucun. Hein. Ouais. Mais au pire, hé gros, en vrai, si tu dis c'est Dobby qui paye, c'est Dobby qui paye. Le pour combien? Si tu gagnes, tu payes tout. Ouais. Si par contre je perds, c'est moi qui paye. Voilà. Oh, du coup, j'ai trop bien. Attends, mais t'as un fou. Vas-y, pour combien je paye? Allez, pour 4. Pour 4? Ouais. Bah, du coup, ça fait un reverse à 2. Ouais. Voilà, je sais pas oh, si c'est bien. Oh le bâtard, bah, il joue la river. T'es prêt? 1, 2, 3, 2. Oh, tu payes. Ouais. Oh là là, les petits paniers. Ça, c'est le mien, c'est poivron. C'est où la plus belle vue? On peut aller là-bas? Du coup, voilà. Alors, en gros, là, t'as le puits de Dôme. Le puits de Dôme, c'est ça? C'est quoi en gros? En fait, là, t'es sur le puits de Dôme. Le puits de Dôme, c'est ce qui symbolise la région. Voilà, c'est la montagne. Okay, c'est un volcan, juste il est éteint et il fait partie de la chaîne des puits. Il est éteint depuis combien de temps le volcan? Et, oula, mais depuis. Mais il peut pas se rallumer? Non, il peut pas se rallumer. Okay. Ah, ouais. Il est très surveillé en tout cas. Et juste l'antenne, elle est là pour servir d'antenne relais. Donc, c'est-à-dire, il y a des transmissions militaires. Ça sert aussi d'antenne pour la météo, ça sert pour la télévision sur Clermont-Ferrand aussi, tout simplement. Et grâce à ça que j'ai la. Donc là, la 4G doit être surpuissante. Ah, mais là, la 4G est surpuissante. Alors oui et non. Parce que là, tu m'as dit qu'il n'y avait pas 3G. Quand t'es trop proche d'une antenne relais, parfois le réseau il est vraiment merdique. Ah, parce que t'es trop proche. Ouais, c'est chaud. Donc ça dépend. Merci. Bon allez, bon courage. Éclatez-vous. Merci. Et puis surtout, mais de toute façon, on se revoit dans 5 minutes pour les granitas. Bon bah y'a pas de soucis. Ah mais je te le dis. Vas-y, on graille là. Tu sais qu'on a eu chaud. C'était les deux derniers panini poivrons.
une dinguerie. Mais moi je crois qu'il n'y a pas que des poivrons. Ils avaient un peu goût ratatouille. Avec du petit fromage là, regardez le fromage, comment il donne envie. Mon gars, le panini, je l'ai dégommé. Je pense que c'est l'heure de prendre des petites granitas là. Tu valides? Ouais, je t'attends pas. J'avoue que c'est ultra sucré par honte. Waouh. Mais du coup, ouais, j'avais le choix sur plusieurs trucs, genre débutant. Pour le parapente? Ouais. Et vu que tu m'avais dit que t'en avais déjà fait. J'en ai jamais fait, enculé. Je t'ai jamais dit que j'en avais déjà fait. Bah, j'ai pris le plus ouf. Il y a écrit entre parenthèses 360 looping. Ah, mais gros, là, je fais jamais ça. Mais déjà, je savais même pas que c'était possible. Ah, bonjour. Qu'est-ce qu'on fout de... Oh, c'est trop stylé, ça. Tu crois qu'il y a écrit quoi, là? Je pense que c'est écrit abonnez-vous à Michou. Ce serait pour savoir, le parapente, est-ce que vous savez ça se situe où? C'est juste derrière. Ah, c'est derrière, donc faut faire le tour, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Les gars, c'est le grand moment. On est carrément avec le moniteur. On va décoller. Eh ben, elle porte bien chaud, hein. Bah oui, ah ouais, c'est fait exprès, incroyable. J'ai une question, parce que en fait c'est pas moi qui a fait la réservation, ouais. Et sauf qu'il m'a dit qu'il avait réservé en mode adrénaline. Ah ben ouais. Ça va faire flipper. Bah, on va voir, on va s'adapter. On va s'adapter, ok. Suivant comment tu te sentiras en l'air, on en verra plus. Moi c'est le début qui me fait peur, je pense, après ça va aller. Le début c'est une formalité. Ok. Faut juste que tu t'aimes bien sur tes pattes, et après c'est parti, quoi. Vas-y, c'est carré, c'est carré. Le mouvement, c'est cool. Bon, tu vas voir, je t'explique 2-3 trucs. En plus il a une tête à casque. J'ai un vrai flow là. Mais calme-toi, toi. Mais comment t'as appris la première fois à voler? Avec une école. Mais du coup, t'étais avec quelqu'un et il t'apprenait. Ouais. Ok, d'accord. Je vais enfiler ça comme un sac à dos. Ok. On dirait un sac à dos de 6ème. Le décollage, là, du coup, c'est par rapport, tu vois, il avance à 40 ans. C'est pour ça que tu vois, il s'éloigne. Mais à ce qui paraît, tu peux faire des 360, genre des loopings. Ouais, je suis pas capable de les faire. Ah, ok. Mais ça me rassure, tant mieux. On va envoyer des petits virages. Moi, je suis là pour avoir des sensations, en vrai. On va envoyer des petits virages au début. Et puis, plus ça ira. Moi tu me diras stop et puis on va monter en intensité. Ok. Voilà. Comme les manèges, ça monte en flèche, quoi. J'aime bien. N'empêche, c'est ça qui tient notre vie. Hein. Ça me rassure pas. Hein. Tu vois celle-là là. Tu penses qu'elle pète à combien? Si je tire dessus, il faut que je mette combien de poids pour que ça pète? Une corde. Ouais. 500 kilos. Ouais, pas loin, c'est ça, entre 400 et 500. Ah ouais. Une seule. T'as qu'une, t'as lumière. En vrai, imagine, il y a une corde qui lâche, ça change rien. Ça dépend laquelle. Ah, si c'est une sur le côté, c'est chaud. Exactement. Si c'est une sur le devant, ça va être compliqué. Ah ouais. Dos à toi. Approche-toi un petit peu plus de là. Allez, t'es prêt, à toi. Attends, là, je fais comment là? Tu regardes la voile, tu laisses pas sur le côté. Ok. Allez, allez. Pas sur le côté. Oh. Hop là. Oh, oh. Regarde devant maintenant. On regarde devant. Ok. Et on y va. Et on tape sur le même en devant. Allez, yeah. Wow. Merci, mon Kiki. Tu peux lever les pattes. Allons un peu les pieds. Ah, mais c'est une petite. Oh. C'est incroyable. C'est cool. Oh, c'est incroyable. Les gars, c'est un truc de fou. Ce road trip, il est exceptionnel. Ça, tu vois. Oh. Alors, regarde. Oh. Non. Mais là, il y a des vraies sensations. Hein. Ah, là, on est pas mal. Mais on tuera tout à l'heure. Oh, c'est incroyable! Les gars, on est clairement assis dans le vide. C'est parti! Oh! Petit tricks là! Oh! 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 Eh, mais la voile, elle était carrément sur le côté, hein! Ah ouais, on était déjà en moitié. Wow! On était au-dessus de la voile? On était sur le côté, un peu au-dessus. Oh! On est en train de remonter petit à petit, les gars. Oh bah. Wow. Oh, vu, ça bouge. C'est quoi ça? En fait, c'est une petite fermeture. En fait, le parapente, c'est comme les avions, en fait. En bout d'aile, en fait, il crée un petit tourbillon. Et des fois, quand t'es proche de ce tourbillon, bah, du coup, la voile, elle se ferme. Comme c'est pas rigide, comme c'est du tissu, bah, ça se plie un peu, quoi. Et regarde, tu vois ce qui se passe? Le gars, il monte, regarde le nuage. Ouais, il est en train de grossir. Ça veut dire que y a de l'air qui monte, qui alimente le nuage pour le faire grossir. Ah. Et ça, quand on voit ça, on se jette sous le nuage, tu vois. Ouais. Regardez où on est, c'est un truc de fou. Mais là, on est vraiment ultra haut. On a dépassé le Puy du Dôme. Alors pourtant, là, depuis tout à l'heure, on redescend. Tout à l'heure, on était à 1900. On était à 1900 mètres. Ouais. On est allé à 1900 mètres de haut, bordel. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'on peut lancer quelques accros, là? Ah, là, tu peux faire des trucs, là? Je sais pas si ça te dit. Vas-y, moi, je suis chaud. C'est au planning, hein? Moi, je suis chaud. C'est parti. Là, tu vas faire des trucs. Allez, on va attendre, tu vas voir. Wouah.
Et là, attention, ça va tomber. Calme le truc. Oh. Yes, ça va. On a fait de la 3G. Ouais. Et c'est-à-dire 3G. Trois fois ton poids. Ah ouais. Genre là j'ai ressenti trois fois mon poids. C'est ça. Ah c'est pour ça que j'ai eu la tête qui tournait. T'as senti un petit peu, tu sens comme ouais, le sang il allait au fond ouais, des pieds. Ouais ouais ouais, c'était quoi. Trop bizarre. Eh mais bon, c'est ultra impressionnant de voir qu'on était comme ça et la voile elle était là. Elle était en dessous de nous. T'es bien debout. Debout. Debout debout. Bien ouais. Debout bien vertical. Et hop, on va arriver sur place. Tac, et on bouge. Oh bah ça va. Voilà, et on regarde la voile qui tombe. Et c'est nickel. Oh bah ça va. Ça y va, man. On a réussi. Oh, c'était incroyable. J'ai un bon passager, on s'est bien marré. Mais je pense que j'ai eu le meilleur moniteur possible. Ponte là, attends, là, je suis déboussolé là. Ah bah là, tu veux être un peu. Là, je suis déboussolé. Eh, merci beaucoup, hein. Ah bah, c'est moi qui te remercie. C'était vraiment un truc de fou malade. Au final, l'atterrissage, ça va. C'était même pas violent. Allô, BG. Ouais. T'es où? Bah, je suis là. T'es là-haut? Bah j'ai pas de train. Ah ok, il arrive dans combien de temps? Dans 15 minutes. Ok, vas-y, vas-y, bah nous on vient d'atterrir. Vas-y, bah attends-moi à l'arrivée du train. Vas-y, vas-y. Carrément, ce sac-là, si je veux, il passe dans ma Fiat Panda. Bah ouais, tu sais que le Tour de France, je le fais en Fiat Panda. C'est vrai? Fiat Panda. Pourquoi Fiat Panda alors? Parce que c'est comme ça. Mais c'est les nouvelles Panda ou c'est les vieilles? Non, non, c'est les vieilles. Hein. Les vieilles. Tu veux la voir? Bah ouais. Tu verras, c'est une catastrophe la voiture. Voilà mon gamos, t'en penses quoi? Très joli, franchement. On est d'accord, c'est une dinguerie. Hein. Un petit tour de France comme ça. C'est validé? Ah bah carrément. Bon, il est là. Oh le dob, c'est à ce moment-là qu'on arrive. Et gros, c'était incroyable. Mais gros, à la fin, quand il m'a fait tourner là, et qu'il y a eu le 3G, j'avais la tête qui tournait. Mec, c'est la même sensation qu'un parc d'attraction. Ouais. Ça fait une giga descente d'un coup, et t'es obligé de crier. C'est quoi la prochaine étape? C'est chez moi. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça y est, on rentre? Ouais, on rentre, là, c'est fini, mon pote. Ah, donc ça y est, c'est fini. C'est la fin de la fin, le bout du bout. Bon, bah, les gars, j'ai l'impression que ce road trip touche à sa fin. On va aller à Paris là. Je tiens à préciser, les gars, c'est road trip dans toute la France. Malheureusement, on n'est pas allé vers le sud-sud, parce qu'en vrai, on est resté au niveau de Bordeaux. Bordeaux, Clermont-Ferrand. On n'est pas allé vers la côte Toulon, Cannes, Nice, Marseille, etc. Tout simplement parce que, bah déjà, Marseille, j'ai fait un vlog il n'y a pas longtemps à Marseille. Je suis parti il n'y a pas très longtemps en vacances à Saint-Raphaël, c'est juste à côté de Cannes. Lyon, c'est pareil, j'y suis déjà allé plein de fois. Du coup, on n'avait pas forcément envie de repartir aux endroits que j'avais déjà visités. Du coup, voilà, j'espère que vous ne nous en voudrez pas, tous ceux qui viennent du sud, etc., les gars. Mais sachez qu'on pense à vous quand même, les refs. Et là, c'est direction chez Dobby. Hein. Ça fait quand même du bien de se dire là, on va rentrer. Ouais. Quoi qu'il en soit, merci infiniment d'avoir suivi ce road trip, j'espère que vous avez kiffé l'aventure. Puis voilà, hein. Voilà, vous êtes les boss, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.